Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Eurosport et GCN pour le résumé de la cinquième étape du Tour d'Espagne entre Morella et Burriana. Lenny Martinez porte toujours le maillot blanc du classement des jeunes, lui qui est deuxième de ce classement derrière Remco Evenepoel. Le classement général qui n'a pas bougé lors de l'étape de la veille, mais des coureurs ne sont pas repartis ce matin. C'est le cas notamment de Brian Coquard, le coureur français de la Cofidis, touché au niveau de l'omoplate. Ruben Guerrero et Kobe Roussens sont également non partants. À signaler que Eddy Dunbar est tombé lors du départ fictif et a dû abandonner cette cinquième étape. C'est parti justement sans Eddy Dunbar, malheureusement pour lui. Une étape longue de 186 km 200 avec un seul acteur à l'avant, Fagundes pour la formation Burgos BHC. Personne n'a souhaité accompagner Eric Antonio Fagundes, le champion d'Uruguay, du contre-la-montre individuel qui a compté 4-5 minutes d'avance. Pas beaucoup plus car Alpecin de Koenig et Soudal Quickstep ont contrôlé l'écart. Dans la seule difficulté du jour, le porteur du maillot blanc à pois bleus, Eduardo Sepúlveda pour la formation Lotto Destiny, a décidé d'accélérer pour combler l'écart avec Fagundes. Pas de bol pour l'Uruguayen qui a fait la journée à l'avant et qui n'ira même pas marquer les points de la montagne, car c'est Sepúlveda qui va prendre les points, ce qui porte son total à 21 unités. Dans la descente, regardez ce magnifique paysage et le peloton qui revient sur Eduardo Sepúlveda à 38 km de l'arrivée. Vraiment pas grand chose à se mettre sous la dent sur cette cinquième étape. C'est bien un sprint massif, attention tout de même à l'approche. Avec toutes les équipes qui tentent de se replacer, il y aura un sprint intermédiaire. Le voici à 11 km de l'arrivée. Et c'est Remco Evenepoel. Vous ne rêvez pas, il a le maillot rouge sur les épaules, qui vient prendre le maximum de points et de secondes de bonification devant son Caden Groves. Eh bien, dis donc, Remco Evenepoel qui tape dans le dos de Caden Groves. L'un ne devait pas attendre l'autre. Ça fait 6 secondes dans la musette de Remco Evenepoel. Le maillot rouge toujours très bien placé dans la roue de ses équipiers à l'approche du final. Attention à ce final avec pas moins de 16 ronds-points dans les 16 derniers kilomètres. Et notamment celui-là qui va mettre à terre une petite dizaine de coureurs. Avec un coureur d'Alpecin, de Soudal, d'Intermarché, d'Arkea Samsic. On a vu également deux coureurs du aller à terre. Moins de 3 km de l'arrivée. Il faut désormais se reconcentrer dans le sprint et se replacer. La formation IF est avec ici Julius Vandenberg. Attention à ne pas confondre avec Marine Vandenberg qui a chuté lors de la quatrième étape. Et le train d'Alpecin de Koenig qui se met en place avec Caden Groves idéalement placé. Ce dernier virage à droite et ensuite ce sera tout droit le long de la plage. On a vu Alberto Dainese également essayer de se replacer. Petit problème mécanique ici pour la Burgos BH. Avec sa frotte, Dries Van Restel qui vient mettre un petit coup de casque à Edward Tuns. Et c'est parti pour le sprint de Caden Groves avec en plein centre de l'image Filippo Ganna, l'italien de Ineos Grenadier, qui est le premier à venir titiller Caden Groves. Mais il ne semble pas avoir photo. Caden Groves va s'imposer. L'Australien qui double la mise après sa victoire sur la quatrième étape. Il récidive. On voit ici les magnifiques images de Florian Pigeon, le caméraman d'Eurosport France. Alors que regardez bien au milieu de l'image, Filippo Ganna avec son maillot rouge d'Ineos Grenadier qui lance son sprint juste après Caden Groves et qui fait un effort très très long. Et le spécialiste de la poursuite individuelle qui s'est illustré sur les championnats du monde, notamment à Glasgow, il y a de ça quelques semaines, qui vient échouer à la deuxième place, mais c'était proche. Ah, il hoche de la tête, mais certains sprinteurs ont dû être surpris de voir Filippo Ganna. On retrouve Dries Van Restel pour Total Energy 3e, ça aussi c'est une surprise. Alberto Dainese est 4e devant Lewis Aski, Edward Tuns, Geoffrey Soupe prend la 8e place côté français, Hugo Page est 13e, Marine Vandenberg seulement 15e au classement général. Il y a un changement au niveau des écarts, puisque Remco Evenepoel a désormais 11 secondes d'avance sur Henrik Maas et 17 sur Lenny Martinez. Jonas Vingegaard est à 37 secondes. Primoz Roglic est 7e à 43 secondes avant cette 6e étape qui emmènera le peloton jusqu'à l'observatoire de Ravalambre. 183 km, une arrivée à près de 2000 mètres d'altitude, classée en première catégorie. On y était arrivé en 2019 sur la 5e étape, l'échappée était allée au bout, Angel Madrazo s'était imposé. Mais surtout, il y a eu des écarts au niveau du classement général. Un certain Tadej Pogacar avait perdu 30 secondes sur ses principaux rivaux. Peut-être verra-t-on de nouveau du mouvement au sein du classement général.